Un petit mot, Robert. Oui, je suis vachement content d'être avec toi. Les machines, elles sont en panne. Voilà, ça ne marche pas. J'espère qu'en Corée, ça marchera. J'espère aussi. Nous allons bientôt vous enregistrer. Oui. 18h30, elle devait être là, France. Notre famille France. Ah, il est quelle heure? Mon Samsung dit 18h17. Ah, donc elle a encore 13 minutes pour arriver. France, dépêche-toi. Écoutez-vous, monsieur, déjà. Ah, waouh. Quel choix. Elle va pouvoir me faire des massages et tout. La pauvre. Ouais, la pauvre. Monsieur est siège 53A. Oui. Il a été exporté. Ouais. Là, le problème, c'est que je peux pas travailler sur les sièges, c'est que dans les plans, je vais mettre une remarque sur le dossier. Ah ouais, dites. Quand vous présentez à l'embarquement, dites à l'hôtesse. Ouais. Ouais, parce que moi, on est obligé de faire une tournante. C'est classe, Robert, c'est très classe. Non, mais c'est pas. Ah oui, je n'ai rien, c'est bien. C'est un avion, c'est normal. Tout à fait. En mode Samsung Live pour vous dire que je ne suis pas assis à côté de Robert ni de France et que voilà, je crois qu'on va bientôt partir dans une demi-heure à peu près. Je ne sais pas si vous allez réussir à m'entendre, mais voilà, on part bientôt. On va atterrir à Séoul, nous sommes en Corée, il pleut et bon, il fait une vingtaine de degrés. First class business. Voilà, on va sur l'extérieur. Je suis un peu fatigué, tout petit peu. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est très sexuel. Hein, c'est super, hein. C'est très particulier. Mais, hein. Il y a demi-eunuque. C'est très particulier. C'est très particulier. Salut à tous, je vais faire une vidéo un peu concept puisque la chambre est très très doucement éclairée, je raconte n'importe quoi. Première nuit à Séoul, dans l'hôtel, le lit est super confortable, la clim est sympa, pas trop forte, en même temps c'est quelque chose qui se règle, je ne sais pas pourquoi j'en parle. Bref, le décalage horaire est génial, il est 3h du matin, je ne dors plus depuis 2h. Techniquement, il doit être 20h à Paris, je pense, si je fais bien le calcul. Donc, voilà, il a l'air de sortir, en fait. On est lundi, il est dimanche pour vous. Et donc, voilà. Et j'ai le visage froissé. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire des clichés de la chambre. Hier soir, on a fait des petites visites. On a mangé dans un restaurant sympathique qui fait buffet à volonté. Qui se trouve dans un sous-sol, c'est très bizarre, mais c'était très bon. Et ensuite, avec France, on est parti se promener un peu dans les rues du quartier. Très très joli, très 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 asiatique. Hein. Des lumières partout, des enseignes qui clignotent, crise d'épilepsie en puissance, quoi. Il n'y a pas de doute. Et puis surtout Samsung partout. Samsung Fashion, Samsung ceci, Samsung ça. C'est marrant. Il y a un petit choc culturel quand même, hein. Ça fait bizarre. Il y a un drôle de sentiment que je vais tenter d'expliquer plus tard, mais que je n'arrive pas à comprendre actuellement. Voilà. Bisous. Aujourd'hui, oula, chute du Galaxy S2 par terre, bravo. Alors aujourd'hui, nous sommes en visite dans l'ancien palais, que vous pouvez découvrir derrière moi, partout autour de moi. Trouvez trop vite. Pardon. Oh. Voilà. Bobby, Henry and France. Parfait. Donc c'est Bobby, Henry and France. Let's go!
Donc le roi Sejong, c'était un grand lettré. Parce qu'avant, l'écriture coréenne, on écrivait tous en chinois. Et aujourd'hui aussi, par exemple, là, c'est les idéogrammes chinois qui sont là. Mais comme les idéogrammes chinois, c'est pas une écriture. C'est des mots. C'est symbolique. C'est symbolique. Alors, il faut apprendre par cœur tous les mots pour savoir lire et écrire. Et il y a des dizaines de milliers. Mais ce qui veut dire que dans le pays, la classe paysanne ne savait pas lire. Vous n'avez pas le temps. C'est lui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est un autre. Ah oui, c'est sur le sang. Robert, arrête de faire. C'est lui. Mais globalement. D'accord. Hein, tu vois. Et en fait, donc, comme le roi a vu un jour qu'il constate que son peuple ne sait pas lire, il va donc décider de faire une écriture. Mais c'était très difficile parce que pour les nobles, ils ne veulent pas que les paysans sachent lire. Ils veulent être un peu supérieurs, ils veulent être un peu, ils veulent dominer. Alors, ce qui fait que l'écriture, quand ils vont le roi va décider, personne ne voulait l'aider. Et donc, il va inventer cette écriture coréenne qui s'appelle le Hangul dans ces bureaux-là. Et il va sortir donc une écriture qu'on utilise aujourd'hui avec 24 lettres. Le roi, c'est Sejong. Sejong. Donc, lieu des réceptions, lieu des banquets. Faisait l'élevage des poissons là. C'était pas de l'élevage, mais c'était. Parce que nous dans les douves des châteaux en France. Il y a des gros poissons, hein. Dans la douve des châteaux en France, vu qu'il n'y avait pas de frigo, tout ça, ils élevaient les poissons là et quand il y avait des festins, ben, ils prenaient des canards. Des canards. Ah ouais. Comment te dire. Oh, je pense qu'on va leur donner à manger quand il y a des gens qui s'approchent, ils viennent. Hein. C'est des requins, ouais. Ils sont conditionnés. Ils sont flippants. Ouais, c'est bon. J'ai peur. After 16,000 streams and stretching, Novaste, and tail streams, これ切って取りまして、inside nut flavor, 中でナッツが入って、入れての、くるくるくるくるくるくる、English, rolling, 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 wow. Wow. Peanut, almond, walnut, walnut flavors, one pack, 10 pieces, あっさり味はピーナッツと、香ばしい味はアーモンド、甘いの味は3種類で上がりますね。これ今ばかり作って柔らかいでふわふわ、美味しいけど、後で冷凍庫ありますか？冷凍庫では硬くじゃならない、サクサク、カリカリ、もっともっと美味しい美味しい、味はめちゃマイウーですよ。Voilà, nous avons rendez-vous avec Samsung dans moins de 10 minutes et nous attendons Robert qui n'est toujours pas encore arrivé. Voilà, France n'en peut plus. Je n'en peux pas. Il a un nœud papillon là. Ah, il arrive. Oh, regardez-le. Il est magnifique. Est-ce qu'on le voit? Il est encore en retard, hein? Quelle heure? Splendide. Eh? Oui, splendide. What this device is? I don't know. This is how it looks. And this one is for a translator. Oh. Like this. If you scan this device over these kind of menus or documents, it can translate your own language. And over here, you may see a microphone, so you can translate the voices as well as the text. And the second thing is one card solution. This one is the electronic card, and interestingly, you can recognize the fingerprint. So even if you lose this tool, you don't have to worry about anything because it doesn't work without the owner's fingerprint. Scanning this device, you can pay for that directly. So we are still developing on that, so we hope to make these devices in the near future.
Espèce de début de vieux film d'horreur ou fin, je sais pas. Ça fait un peu Zombieland. Chris Wolf, j'ai découvert le Fanta Ananas ici, c'est juste trop bon. Alors je crois que je vais me choper une petite bottle. Super Viking. C'est un peu open. Je pense qu'il y a des gens qui vont sortir ou on va se faire mitrailler par quelqu'un. Un truc qui va se passer là. Je le sens. Tension palpable. Oh. Salut. Je vais pas monter dans un gros bateau. Tu veux qu'on soit pirate. Super Viking là. Ouais. Je pense que l'accès est interdit. En plus, il y a une petite barrière qui dit c'est fermé. Parc vide. Moi, je trouve ça un peu flippant, ça fait... Hein? Avec une porte du côté sud, une porte du côté nord, parce que la Suisse est un pays neutre. Donc, du côté de la Corée, vous avez la Suisse et la Suède, qui sont du côté de la Corée comme pays neutre, et de côté, c'était la Tchécoslovaquie et la Pologne avant, mais je crois qu'ils sont partis. Les Suisses, ils sont encore... Il y a un général et un colonel qui... Ah, mais ils n'ont pas de banque. Il y a juste un colonel. Ils vendent des couteaux suisses. Ils vendent des couteaux suisses. Alors, tout à l'heure, on a vu sur le fleuve, là, il y avait plein de barbelés. Les barbelés, c'est parce que sur ce fleuve-là, les infiltrations, ça c'est quand on a arrêté, on a tué un Nord-Coréen, un espion, avec tous les objets qu'il avait emmenés pour faire du sabotage. Ça, c'était ses armes. Ça peut être. Non, ça semble bien. Les Nord-Coréens, celui qui a été arrêté là, c'était leur équipe. L'attentat. Il s'appelle Kim Sinjo. Et ils sont venus sur la côte est, à peu près 200 km. Ils ont fait 200 km en 10 jours. Comme ça, on dirait que c'est pas étanche, mais si on met plusieurs couches, c'est étanche. Et en plus, au point de vue isolation thermique, et puis du soleil, c'est bien mieux que les briques. Contre le soleil, ça reste chaud. Ah ouais. En hiver, ça tient le froid. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les affaires écologiques,
is my last breakfast coupon. Eh oui, c'est notre dernière matinée dans l'hôtel, notre dernier jour à Séoul. Nous partons dans à peu près 3 heures pour l'aéroport. Ensuite, nous décollerons vers 13h40. Donc, je vais prendre un petit déjeuner avec France et Robert, qui sont déjà en bas normalement. Et puis ensuite, nous avons notre interview chez Samsung. Oui, on nous a pas prévenu, c'était décidé comme ça à la dernière minute. Et ce n'est pas trop déplaisant. Il fait un peu plus gris ce matin que d'habitude, mais le ciel est quand même bleu avec un petit peu de brouillard, c'est très particulier. Mais en tout cas, nous sommes contents, je pense qu'ils ont passé un très très bon séjour. Bye bye Samsung. It was a pleasure. Des voitures comme ça aussi, même s'il y a des trucs dans les coffres. Je vais pleurer. Il n'y a pas de parking en haut. Et là, il fume une carte. Sur Paris, dans, disons, il avait raison, une quinzaine pas, d'heures. Ouais, mais quand il fume une cigarette. Optimiste. Mais oui, je suis optimiste. À toi très optimiste. Quand je suis en ta compagnie, tu me donnes de l'optimisme. L'optimisme. Oui. Jamel Debbouze sort de ce corps. Le voyage se termine, nous retournons sur Paris et c'est un peu comme un petit journal de bord que j'avais tenu quand je suis parti en Guadeloupe, mais en plus court et en plus intense et en plus exotique. Voilà, donc merci à tous et à très bientôt. C'est fort plus exotique que la Guadeloupe, la Corée. Mais oui. Oui. Pour moi, oui. Et j'excuse ce visage horrible qui est dû à ce voyage entre les boutons, la brillance. Ce n'est pas ma faute. Bisous.